L'association Achiam va lancer des actions autour de projets de renforcement des capacités des associations de l'eau potable dans la vallée des Mille Chiles. Donc, c'est un projet qui concerne la formation en gestion ainsi que l'équipement des associations de gestion de l'eau potable dans les villages par des outils informatiques qui vont leur assurer de suivre leurs tâches administratives ainsi que la facturation de la population. Et ça concerne aussi la formation et l'équipement des plombiers dans les 16 villages. Et également, elle va lancer un projet sur l'accompagnement des jeunes, sur le sport et les actions citoyennes. Donc, par l'équipement de tous les villages de la commune de Bronzemont, avec des équipements sportifs de foot et l'installation des cages. Des cages avec les filets, les cages de but dans tous les villages. Donc c'est pour le projet de l'eau potable, donc il va le suivre aussi par l'achat des détecteurs de fuite qui va permettre la réparation des fuites dans le réseau pour répondre à un besoin détecté par un diagnostic réalisé en 2018 par la fondation AMAP. Sur lequel on trouve que tous les réseaux de tous ces 16 villages connaissent des fuites importantes de l'eau souterraine et qui posent en fait des problèmes de gestion de l'eau ainsi que ils impactent la facturation de l'eau auprès de la population. Ces projets ont eu lieu en fait grâce surtout aux bailleurs de fonds de l'association Sens de Bordeaux. Donc, il s'agit de la Fondation AMAP et le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et l'Agence de micro-projets via le sport et le développement. C'est un projet pour les jeunes, surtout de la commune de Bronzemont, afin de, c'est-à-dire promouvoir la pratique sportive dans la commune, dans tout le cercle des Mille Chiles. Afin d'éviter, donner un espace aux jeunes pour pratiquer le sport dans la région, pour éviter surtout la drogue et tout ce qui est, surtout la drogue, et afin de faire intégrer les jeunes dans leur entourage social.